Bonsoir tout le monde, bienvenue au Slice of Racing. La course du Summerfest. Je crois que c'est la cinquième course du Summerfest avec les voitures de Xfinity bien sûr sur le circuit routier. Alors on va avoir petit recap de ce qui se passe dans pas très long, mais présentement nos pilotes sont en train de faire les qualifications et je vais vous montrer sous peu le classement final de toutes les qualifs. En attendant, vous avez votre top 15 à gauche ainsi que les pilotes présentement. C'est William Dupont qui est à l'écran. On peut voir le premier secteur et le chrono final qui va apparaître. Un gap du lead de 1,7 secondes. Alors, le lead est extrêmement rapide. Morin et Michel, bien sûr, sont très rapides ce soir. Alors, ça va être très intéressant. Morin qui va pouvoir peut-être prendre sa revanche face à Canadian Tire qui avait eu toute une déception pour lui. On se rappelle le contact avec Rousseau qui avait mis fin à sa course bien qu'à. Bien que le contact était accidentel, c'est un peu dommage pour Morin. On s'attendait à un excellent résultat de sa part. Mais bon. La vie l'a décidé différemment. Mais bon. C'est ça. Écoutez, la qualif, pardon, il reste pas grand temps. Les gars, ça devrait faire leur jeu là et s'arrêter. Il y a un meeting de 4 avant la course. Fait que pendant que le meeting va être donné, nous on l'entendra pas. Moi je vais vous diffuser des positions l'une derrière l'autre. Mais ça donne quand même une petite idée. On peut voir Dupont qui vient voler le show présentement avec la pole pour le moment. Alors reste à voir. Et le 5 minutes est écrit. Alors je sais que les voitures sont à veille de 203. Ça devrait être intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Alright guys, merci, bienvenue au Summerfest Continental, encore une fois. Tyson et la Bombardier Sport, c'est un coup. Ah, c'est un moment à quoi? 50 tours, le stage au 20e. Pas qu'on l'aime pas, mais on veut pas l'entendre. Alors, voilà. Et on peut voir, Daniel Boulay qui est en train de finir sa qualification. Alors, le temps que Dan finit sa qualification puis que la voix fasse son speech, on va tout de suite vous présenter je vais tout de suite vous présenter les choses de qualification. Alors, premièrement, ce soir, Sonoma Raceway, version COP. C'est la version que NASCAR utilise, alors ils l'appellent aussi seulement NASCAR. Une track de 3,16 km avec un ciel dégagé, clear, ainsi que l'humidité relative à 68,74%. Alors ceci peut jouer durant la course. L'air ambiant est à. L'air ambiant est à 18 degrés Celsius et c'est à 26 degrés Celsius. Un petit peu, je vais vous donner ensuite ce soir. Ben, c'est un course selon un autre tour. Si je ne me trompe pas, c'est 50 tours à faire ce soir. Alors, ça va être tout un travail à effectuer pour nos pilotes. Désolé, j'étais un petit peu distrait, fait que je suis comme pas cohérent, mais ça devrait se placer à mesure que ça va avancer. Alors, la grille de départ. Et là, on a d'autres pilotes qui continuent de qualifier. Mais quand même, je vais vous la donner. Vous allez quand même avoir une bonne idée. C'est Poitras ici, on le voit en arrière-plan. Il y a un autre pilote ici, je ne peux plus voir c'était qui. En tout cas, Dupont est présentement premier aux côtés de Morin. Et je pense que c'est deux leaders au championnat, justement, ainsi que Pichette.
sur la deuxième ligne. Maxime Paquet, troisième. Victor Tanaka, 5. Lorty, 6. Brian Howard, 7. Patrick Lenant, 7. 8. James David, 9. Félix Gratton, 10. Jeff Côté, 11. Daniel Boulet, 12. William Dupont, 13e. Michael Ligori, 14e. Claude Ferland, 15. Frédéric Ladouceur, 16. Pardon. Thomas Bélanger en 17e, Kevin Roy en 18e, Jean-François Pilote 19, Patrick Rousseau 20e, Harrison Chandler 21e et on a Jeff Lavoie et Bruno Pierre Pinchot en fait ça serait 22 et 23 là. Alors je suis juste pas certain s'ils vont prendre le départ. Alors, la course, je me fais poser la question dans combien de temps est-ce qu'elle commence. Si vous regardez le chronomètre en haut, on dit 8 minutes 40. Alors, dans 1 minute et 20 secondes, en fait, ce sera le départ de la course. Parce que c'est 10 minutes de qualif et là, les gars vont grider. Mettons 1 minute pour le grid, puis le début de course va se faire. Alors, le temps qu'il se prépare, bien sûr, merci à tous nos commanditaires et partenaires affichés à l'écran. Co-Karting, Goul VR, AxenLED, Clôture, Raymond, De Montfort, Maçonnerie et Spenar Simulation qui sont nos gentils commanditaires pour l'année 2019-2020. Et on les remercie beaucoup d'être là pour nous, ainsi que les pionniers de Slicen Racing, bien sûr, Slicen.ca et JulieJouet.ca. Jusqu'à la fin. Et merci à eux également, c'est très apprécié. Bien sûr, la Summerfest qui est en collaboration avec Lavoie Motorsport. Merci à Jean-François Lavoie ainsi que ses admins, tous les gars qui sont impliqués dans le processus. Je pense que on décolle quelque chose de bien. Et à vous rappeler que c'est la dernière routière du Summerfest. Ensuite, la semaine prochaine, on va tomber dans l'ovale, le dernier ovale à Atlanta. Puis après ça, on se revoit en septembre dans la série Monster, les vendredis soirs que les courses se feront. Et c'est en série Monster. Alors, ça va être sur ovale seulement. Ceux qui veulent rouler le routier à partir de septembre vont devoir rouler le jeudi soir, où le routier sera en Monster aussi. Alors, le Monster qui va rouler deux soirs semaine. Le jeudi en routier et le vendredi en... ça va peut-être un départ lancé, oui. Jeudi en routier et vendredi en... Oh, mais ma voix qui est vraiment faible, merci de me le dire. Je vais rapprocher mon microphone. Ça devrait être mieux comme ça, je crois. S'il y a quelque chose, dites-le moi. Puis je vais y remédier. Bon, alors, on leur souhaite bonne chance. D'après moi, ça devrait être assez intéressant. The race starts. Et voilà. Alors, oh, c'est un départ arrêté. Oh, Bernier. Green flag. Ben voilà. Il y a eu erreur de ma part. C'est moi qui ai configuré la course ce soir. Et j'ai mis le départ arrêté. Alors, désolé, nos spectateurs. Ça aurait été supposé être un départ lancé. Mais on part ça de façon un petit peu plus spectaculaire ce soir. Et c'est un départ lancé pour la seule fois probablement de la saison. Alors on est parti pour 50 tours et là ça va être vraiment intéressant de voir qui est-ce qui va se démarquer durant ce 50 tours. Et là, oh mon dieu, on est sorti large ici, c'était qui ça? Je connais pas tout le numéro, pardon, je crois que c'était Roy. La voiture 18 de Brian Howard qui est sur le tarmac ce soir. Brian Howard, normalement du Team Monster, on semble avoir changé d'écurie pour le Summerfest. Belle voiture.
la Lancette également qui suit derrière. Et oh, on a déjà un aéroplu, alors est-ce qu'on a un feu de départ? Très facile. On a des temps de 1.19 et 1.17 devant lui pour James, alors beaucoup plus rapide le lead devant Howard. Mais peut-être juste le départ de course qui a changé un petit peu le. Le pace des gars, faut pas se fier à ça tout de suite. On est au lap 2. Et notre top 15 est celui-ci présentement. Alors c'est Dupont, Morin, Bichette. Nous avons Tanaka, Parker, Parti, David, Power, Grigory. Côté, Boulet, Dupont, Boulet, Dupont, La Douceur, Ménage, Ménage. Alors La Douceur est un peu plus grand. Tanaka et Pichette qui se préparent pour une bataille. Tanaka qui a eu quelques difficultés à bon sport. Oh, le 913 qui a eu un petit dérapage. Bélanger, Thomas Bélanger, si on fait la reprise vidéo, nous allons voir ce qui s'est passé. On arrive à l'épingle, bien sûr. Et voilà un petit dérapage devant la Lancette. On a quand même pas si mal. On a bien récupéré les choses. Plus de peur que de mal. Oh mon dieu, la voiture de. C'est bien chaud. Elle a carrément sauté des vibreurs. Les quatre roues ont levé. J'espère qu'on n'attendra pas cette manœuvre trop souvent. Ça risque de mal se terminer pour lui. Baisser les sons de moteur, merci de m'en faire part. Vous me direz si c'est mieux comme ça pour ma voix. Nouvel ordinateur, alors peut-être que mon micro est à ajuster, je vais remédier à ce problème après la course. Merci beaucoup de me dire. Tanaka qui est toujours présentement en quatrième place semble ne pas trouver le pace pour rejoindre le devant ou est plutôt conservateur. Mais la voiture 102 derrière lui par contre semble vouloir jouer les triples feintes. C'est Maxime Paquette, la voiture 102 derrière. Dupont, ça va très bien pour le moment. On garde le contrôle. Si c'est possible pour vous de me confirmer si c'est mieux côté voix et son de voiture, ça serait très apprécié. Merci. Et là, on peut voir la voiture 9 de Boulet juste à l'intérieur de celle de côté. Non, c'est Dupont, pardon, qui est devant. Alors, William Dupont qui doit se défendre auprès de la voiture. De Ligori, la 724. Et toujours ces deux en bataille, là, Pinchot et Bélanger. Oh, Pinchot qui l'échappe! Ouf! Tout un save et long en contact avec. C'est qui? C'est Bélanger. Oh là là! C'était assez rock'n'roll. Regardez ça. C'est à la sortie de la dernière courbe que Pinchot devient lousse un petit peu. Dérapage. Semi-rattrapé, on rentre en contact avec. C'est la voiture 392 qui est 397, pardon. La voix, oh, c'est la voix qui a été en contact avec Pinchot.
Alors, la voie qui aurait subi quelques dommages ici. Alors, merci pour les réponses. Alors, Pinchot a probablement eu une fuite dans sa voiture. Beaucoup de frousse, ça c'est certain. C'était du beau travail quand même, malgré le petit contact. On a quand même fait beaucoup d'efforts pour ramener la voiture. C'était une belle petite séquence. Et là, Tanaka puis Paquette toujours à la poursuite de Pichette. Et James n'est pas si loin. C'est un excellent pilote d'Xfinity aussi pour James. Lorty qui est là également, la voiture 94. Lorty qui est capable de faire de très belles courses dans ce style de voiture sur le routier. Alors, personne n'est à négliger ici. Tous en très bonne position pour un podium. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour Pichette derrière lui. Alors, Morin toujours deuxième. Et je vais vous donner le top 15. Vous allez pouvoir vous-même prendre connaissance de Dupont, à quel point il est rapide ce soir. Alors, Dupont se sentait... en pleine possession de ses moyens, il l'avait dit avant la course qu'il se sentait très très près sur le circuit. Et il nous démontre bien sûr que il est effectivement prêt à faire la guerre. 3.5 secondes devant la deuxième. Là. Et même Morin qui commence à distancer Pichette est rendu à une seconde devant. Alors vraiment. Oh! Pichette s'est sorti large un petit peu là. Ça va être difficile. Ça va être vraiment intéressant de voir la saison d'Xfinity, pas d'Xfinity, mais de Monster Series en septembre, je le rappelle, sur le routier les jeudis soirs. Oh, Tanaka qui est très large et revient en piste. C'est bien sauvé de la part de Tanaka. Alors, ça va bien pour le moment. Paquette également qui a un excellent rythme et est présentement dans le top 5. Large ici pour Paquette, mais ça va bien. On n'a pas touché au mur, rien. Tout est pour le mieux. Lorty qui semble perdre un petit peu de pince par rapport à ce qu'il vend lui. Alors peut-être va se retrouver en bataille avec James qui lui semble en gagner tranquillement. On va voir ce qui va se passer, mais Dupont le sentait, comme je disais plus tôt ce soir, et vraiment, on peut voir à quel point qu'il est solide présentement. On va aller le voir, justement, Monsieur Dupont, là. On peut le voir passer la ligne d'arrivée avec zéro pression derrière lui. On peut voir à quel point que les autres pilotes sont loin derrière, à 4.6 secondes, et on a seulement 9 tours de fait. Alors, on se disait prêt, en effet. Toute une performance jusqu'à présent. Pour les 9 premiers tours, du moins. Alors maintenant, il faut en faire 50. Il en reste encore 41. Rien n'est gagné, mettons. Et Pichette qui se fait mettre la pression. Mais non, c'est Pichette qui s'est rapproché de Morin. Oh, Morin aurait fait une erreur. Morin qui est en avance. Écoutez, je pense qu'on a le temps d'aller voir ça, Morin. Si on va... Oh, un petit peu avant ça, peut-être. Mon Dieu, Pichette était déjà là, en derrière nous. C'est-tu plus loin? Ici. Ça semblait même avant ça.
ça part de très loin, le moment. Ici, à l'épingle, on peut voir qu'on avait quand même une bonne seconde sur Pichette. Oh, ça semble être... Ça semble être rien de majeur. On dirait bien que on a peut-être perdu notre concentration, tout simplement. Je sais pas, mais on n'a pas l'air d'avoir fait d'erreur. Non, au contraire. Pichette s'est comme rapproché d'un seul coup. Regardez la distance qu'il a pris avec Tanaka. Alors, je sais pas si Pichette a découvert quelque chose dans le dernier tour, là, mais on a vraiment été rapide sur ce secteur. Alors, rien de spécial, tout est normal. Et là, présentement, ça demeure une bataille très proche. Tanaka qui tente de s'accrocher à eux. Oh mon Dieu, Pichette qui rentre en double à l'épingle. Et là, ça peut être dangereux pour Tanaka à l'intérieur. Là, je sais pas si on a un problème de pneus pour Morin, mais vraiment. On a Paquette, Tanaka, Pichette qui est là, mettent énormément de pression sur Morin. Ça sent un pit stop peut-être un peu plus précoce que prévu pour Jean-Raphaël Morin ici. Ouf, la voiture de Lorty qui est passée tout proche du mur et on voit qu'il prend vraiment plus large. J'essaie d'utiliser toute la piste pour se donner du momentum pour réussir à distancer les autres derrière. Heureusement pour lui, l'aspiration est extrêmement faible sur les lignes droites. Alors on ne peut pas profiter des lignes droites pour passer. Sinon, je pense que ce serait fait depuis longtemps. Là. On peut voir que Pichette, encore une fois, est-ce qu'on va rentrer large? Je crois que non. Je pense qu'on a eu notre leçon, mais là, on devient côte à côte avec Morin. Ça pourrait être intéressant pour la suite. Et non, Morin qui réussit à repasser devant. Pichette ne se voulait pas à l'extérieur. Tanaka également qui s'en vient de plus en plus rapide derrière. Là, met beaucoup de pression sur Pichette. Semble quand même patient, alors ça va bien pour le moment. Même chose pour Paquette. Oh, Tanaka qui a frappé du vert, on a vu monter très haut. La voiture qui se suit vraiment de façon linéaire. Là, on peut voir Lorty qui perd beaucoup de terrain. James qui se rapproche sur Lorty, alors une bataille en devenir probablement au cours de la course. Oh, Pichette un petit peu haut. Est-ce que... Je vais vous donner le top 15 maintenant. Alors, Dupont toujours en domination totale avec un 6 secondes d'avance après seulement 12 tours. Alors, c'est une demi-seconde par tour, tout simplement. Alors, on... Oh, contact ici! Paquette avec Tanaka. Est-ce qu'on a plus de peur que de mal? Oui, tout va bien. Oh! Le numéro 729 qui vient de déraper. Nous irons voir ça à l'instant pour vous montrer ce qui s'est passé. Alors, voiture 729. Oh! Contact avec leur non, avec la voiture 606, Graton. Alors, Graton et Pinchot qui ont tous deux un bon accrochage. Ça a frappé quand même assez solide. Mon Dieu! My God! On est supposé s'immobiliser sur les... Heureusement, on laisse passer les autres. Okay. Alors, c'était juste une bataille ici avec Graton. Ouf! Graton qui frappe le mur revient sur... Ouais. Alors, c'est purement accidentel, mais... ça fait assez fort. Les voitures qui vont beaucoup perdre de vitesse. On revient à nos batailles et toujours Tanaka, Pichette, Paquette et Morin qui nous donnent tout un spectacle pour la deuxième. Et là,
Pichette qui tente l'extérieur encore une fois, mais pourrait se faire avoir par Tanaka qui lui est à l'intérieur, mais tombe en désavantage pour la prochaine. C'est ce qui sauve un peu pour la dernière coupe. Et je pense que Pichette le sait très bien, alors tente le coup quand même. En espérant qu'il ne usera pas ses pneus trop tôt en faisant ce genre de manœuvre. Normalement, les pneus, c'est pas trop de problèmes à Pichette. On dirait que c'est plus des problèmes de gaz. Pas lui, mais sa voiture. Alors, Morin qui... ouais, on sent vraiment que les pneus sont en train de lâcher. On dirait qu'on est très lent dans certains secteurs. On est vraiment slow in. Sinon, je pense que on est incapable de suivre. Ouf! Pichette qui monte trop sur des vibreurs. On commence à avoir faim. Encore extérieur. Non, on demeure collé sur le vibreur. Cette fois, Paquette qui tente l'intérieur sur Tanaka, mais ça me surprendrait qu'on réussisse. Voilà, Tanaka qui reprend sa position. Pour le moment, je vous dirais que c'est pas mal la bataille de l'heure, ces pilotes-là. C'est vraiment la course folle pour la deuxième place. Et même l'ortie, on le sent partir un petit peu à l'écart. Et whoop, on revient. Et, oh, Dupont, me semble, on dirait qu'on a perdu un gap. 5.7. Alors Dupont, le gap vient de rapetisser. Il est peut-être arrivé à quelque chose, un slowdown ou je ne sais pas quoi. Mais si on regarde ici, 5.7 et voilà, 5.9. Ouais. Ça commence à rapetisser, mais si on regarde notre top 15, on a Dupont, Morin, Pichette, Tanaka, Paquette, Lortie, David, Howard, Côté, Dupont également, qui est William, bien sûr. Boulet, La Douceur, La Lancette, Ligori et Roy. Et Pichette qui... Oh mon Dieu, là, ça commence à être plus menaçant. Ouais, Pichette qui avait réussi à remonter plus haut aux côtés de Morin, là. Après moi, ça va jouer dans les puits, leur affaire. Tanaka! OK. Je pensais qu'on avait une tentative ici de Tanaka sur Pichette, mais non. Tanaka très agressif sur ce vibreur, mais on dirait que ça le fait déborder et que ça lui nuit plus qu'autre chose. Mais bon. Une plante bien raide à nouer, fait que je peux pas me plaindre. Oh! Encore contact avec Paquette, là! Et là, regardez qui arrive derrière, c'est Lortie! Alors, je sais pas si on faisait de l'économie de pneus derrière pour Lortie, puis on vient de reprendre notre pace, mais on a rattrapé le lead. Oh! Tanaka qui est large! Et OK, on revient encore une fois. Ça fait deux fois qu'il fait ce coup-là, Tanaka. Il faudrait faire attention pour pas que ça lui joue de tour parce que... Il pourrait mal virer pour M. Tanaka. Bien sorti ici. Qui est la voiture devant Morin? Est-ce que c'est un Blue Flag? Oui, c'est Blue Flag. C'est la voiture de... J'ai pas pu voir le numéro, malheureusement. Et là, on tarde de laisser passer. Et c'est pas une bonne chose ici. Morin qui se présente à l'intérieur. Et la voiture 913, voilà, qui se met plus large pour laisser passer, finalement. On aurait dû exercer cette manœuvre sur la ligne droite. Ça aurait été beaucoup plus sécuritaire, mais du moins, personne en a payé le prix. Alors, tout est bon. C'était Thomas Bélanger.
En effet, Sébastien qui dit que Pichette a l'air à l'aise en NASCAR, oui, c'est une voiture que Pichette apprécie beaucoup. Et là, on a la voiture 707 et 102 qui vient d'entrer au puits. Howard et... oh mon Dieu, James qui est très abîmé. On n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais... Et là, on est à l'intérieur de Howard et on va tomber en avantage. Et oui, on réussit. Ouf, tellement quel beau dépassement, pardon, de James ici sur au départ de Brian Howard. C'était vraiment excellent. On a deux voitures Lavoie ici également qui se battent, qui est pilote et c'était pilote et voyons, Boulet, pardon. On avait Roy aussi juste devant et là. Pichette, lui, qui a décidé d'y aller avec une longue run pour suivre Morin. Et là, c'est à voir est-ce qu'on a fait le bon choix ou non. Oh, Morin, on dirait qu'il reprend... Morin reprend ses aises. On dirait que j'invente des mots des fois. Bon, avec toutes les pits, je vais vous mettre quand même... Oh, Dupont qui en parle, là. Oh mon Dieu, Tanaka qui vient de faire un save de ce que j'ai pu voir. Majestueux. Et voilà des batailles qui commencent à s'activer un peu partout. Howard sur James, bonne bataille ici. James qui a frappé le vibreur très haut et mon Dieu qu'on a passé proche des pneus ici. Et c'est bien récupéré tout de même. La voiture qui est lousse, on peut le voir à quel point que on danse dans les S. Lortie qui est quatrième présentement, James 5, Howard 6, côté 7, Dupont, William 8, Paquette 9. Et Maxime Paquette 9e qui a fait son arrêt au puits qui est excellent. Et Tanaka est 11e, alors Paquette a passé sur Tanaka dans les puits. Et de beaucoup en plus, 3 secondes. Oh, est-ce que Tanaka a eu des réparations obligatoires? Peut-être, je vais juste regarder rapidement. Oh, Tanaka qui est large sur la lancette! Par l'extérieur, et là, on réussit. Oui, on réussit quasiment. La lancette qui tente de se défendre. Ah non, Tanaka qui est en avantage. La lancette ne pourra pas rien faire ici contre Tanaka. Voilà, on va derrière et position de gagner pour Tanaka. Très beau dépassement de sa part. Je vais essayer de vous donner driver info. Tanaka. Hop, la lancette, je l'ai manqué, mais... En tout cas, quand ça reviendra, on y retournera. Mais Tanaka qui a fait un arrêt au puits déjà. Et même chose pour Paquette. Et je vous dirais que Tanaka a fait un temps de 14 secondes. Il faudrait voir Paquette. Maxime Paquette, si on va voir son temps. Oh my god! 7.8 secondes, alors ça explique ça explique l'avance qu'il vient de prendre, mais mon Dieu, est-ce qu'on a décidé de continuer sans changer les pneus? Ça serait vraiment culotté de sa part là. On a tellement des grosses couilles que ça me surprend qu'on puisse s'asseoir dans la voiture. Tout un changement pour lui. Et même chose pour Tanaka. Non, Tanaka, c'est-à-dire le double du temps qu'on peut voir, 14 secondes. Et si on regarde Michael Darty, 14 secondes. Si on regarde la douceur, ouais, la douceur appliquée, 14 secondes également. Alors vraiment, le seul
Et William Dupont, ça nous donne combien? Oh, des réparations peut-être, on a 16 secondes. Alors, encore, on a personne dans les 7 secondes à part Maxime Paquette. Alors, vraiment, oh, on a Dupont qui sort, qui entre au puits. On va le suivre pour voir versus Morin. Ouais, Morin et Pichette. Ah, oh, ok, alors on suivait le lead pour Morin et Pichette. Et là, ça va être intéressant de voir combien de temps ici pour Dupont. 7 secondes. On va tenter les deux autres pneus. 7 secondes et c'est parti. Alors on a fait 14 secondes pour Dupont. Morin. 14 secondes également. On sort des puits. Et Pichette. Où est Pichette? Oh, oh, Pichette qui est pris au puits. Mais qu'est-ce qui se passe? 22, 27. Oh mon Dieu! 30 secondes. Est-ce qu'on aurait eu une pénalité de vitesse dans les puits? Oh, ça pourrait changer l'état de la course pour Pichette, là. Lui qui avait fait une remontée, ma foi, complètement spectaculaire à Canadian Tire. Ce soir, va devoir répéter la même chose. Oh boy! Bonne chance à Pichette maintenant en 9e position. C'est pas du petit calibre devant lui. Va falloir qu'on travaille très fort. Bon, alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Toujours bataille entre Howard et James, qui eux, mon Dieu, James qui mène le bal présentement, c'est lui qui mène la course. Howard est deuxième, alors on tente le long stint. On sait qu'Howard adorait faire ça dans la série routière du Xfinity au Slicing Racing, il y a peut-être... Ben en fait, en janvier. C'était quoi? C'était janvier. Ouais, c'était en janvier, si je ne me trompe pas. Janvier 2018. Ouais, janvier 2018. Alors, très intéressant de voir qu'on répète les mêmes stratégies ici au Summerfest. Et James qui est embarqué dans le même bateau. Alors, intéressant. Voilà, on entre dans les puits. Alors, ça va être un combat de puits pour ces deux pilotes. Et ce qui me rend curieux un petit peu, c'est James. J'ai l'impression que la voiture est très abîmée. Je suis pas sûr qu'on va être capable de s'en sortir avec un pit de 14 secondes pour James. Ça me surprendrait peut-être un petit peu. Oh, Dupont qui vient de reprendre la pole. Oh, seulement 2 secondes devant Paquette par contre. Tanaka est juste derrière Paquette également. Oh, oh, Dupont qui va avoir du pain sur la planche pour les prochains tours. Et Morin, c'est surprenant. On est capable de... Ah non, Tanaka qui est rattrapé. C'est vrai, il était 3 secondes derrière. Oh, Morin qui va se faire vraiment attaquer. Et là, Howard qui a été, ma foi, très rapide. Oui, James en 17.5. C'est ce que j'avais craignais pour lui. Des réparations. 14.6 pour Howard. Et voilà. Alors maintenant, place au spectacle avec Tanaka et Paquette qui tentent d'aller chercher sur Dupont, mais écoutez, Tanaka est sur 4 pneus neufs et Paquette, à mon avis, est sur 4 pneus usés. Et sincèrement, on a une différence autour, une 13 contre une 14, une seconde de différence, et voilà Tanaka qui tente l'intérieur sur Paquette et c'est bien réussi à l'épingle. Est-ce qu'on va avoir une bonne accélération pour Paquette? Mais oh, Tanaka qui semble vraiment plus rapide même à l'accélération. Et voilà, c'est réussi pour Tanaka. Alors on peut voir que Paquette souffre de pneumatiques usés. Et là, voyons voir où tout ça va le mener. Présentement, il est retourné à sa place initiale, c'est-à-dire juste derrière... juste derrière, Tanaka. Mais, plutôt, on suivait très bien Tanaka et on n'avait aucun problème à suivre le rythme. Mais là,
Ça semble être autre chose présentement. Alors, excellent travail ici de la part de Tanaka. Maintenant, qui est-ce qui va nous donner? Oh mon Dieu, Ferland derrière! Et oui, c'est bien sauvé de sa part. On est juste devant Morin. Et voilà, Morin au côté de Ferland. Oh mon Dieu, touchette! Ferland qui est venu fermer la porte sur Morin. Lui qui est un tour en retard. Je pense que Morin ne s'attendait pas à ça du tout. On était carrément en train de passer sur un blue flag. On ne s'attendait pas à ce que le blue flag revienne. À moins que je n'ai pas bien vu, mais ouf, ouais, ça. Ouais, on est large, c'est bon. On large pour laisser passer. Puis Morin qui est. Ouais, voilà. C'est carrément un malentendu entre les deux là. Selon la ligne de Ferland, c'était clair qu'on laissait passer pour Morin qui était dans le lead. Alors, rien de grave. Aucune position perdue, aucune position gagnée. Juste un petit tour dans le bas-côté. Puis là, on laisse passer l'ortie maintenant. Je pense que c'était plus petite confusion. Oups. Voilà. Alors, Paquet toujours, lui, à la poursuite de, voyons, Tanaka. Puis ici, on a James qui a... Oh, James qui a fait des réparations sur sa bagnole. Et, oh boy, on a une voiture qui flash extrêmement sur la piste. Je sais pas c'est qui. C'est devant Howard. Est-ce que... Non, ce serait Bruno Pichette. Alors, c'est un retardataire. Oh my God, la voiture... C'est-tu Chandler, ça? Oh, dérapage ici! Ligori! Que s'est-il passé? Ligori, au bout de la ligne droite, arrive à l'épingle. Jusqu'ici, ça va bien. Accélération un peu brusque. Et voilà, on saute le vibreur et la voiture qui tombe dans le sable et contact avec le mur. Alors, un petit peu malheureux. Ça arrive. On revient à nos moutons. James qui a rattrapé sur Howard et là va travailler très fort pour prendre cette sixième place pour le rapprocher plus près d'un top 5. Toujours Dupont qui mène la course à 4,5 secondes devant Tanaka. Ensuite, 1,1 seconde derrière, c'est Paquette. 2,8 secondes derrière, c'est Morin. Et Lortie en cinquième. Pichette avec un pit vraiment catastrophique de 30 secondes, je ne me trompe pas. Alors, ça semble être un 15 secondes de pénalité. Il avait mis à la 9e place et on est rendu maintenant 6e. Alors, Pichette qui travaille très fort pour remonter le peloton. Et, ouf, ça sera pas facile. 28 tours. Il en reste un petit peu, on est un petit peu dépassé la mi-course, alors rien n'est perdu pour Pichette, faut juste travailler très fort et continuer à pousser. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais là, Howard et James, là, ça se bat depuis, je vous dirais, environ au moins un 12 tours là, sur les 28. Là. Alors, bonne bataille ici. Et la Lancette également qui est là. Lancette qui est 11e, tout près de la 10e. Seulement 4 secondes derrière Dupont. William, bien sûr. Ça, c'est Ligori. Et Roy. Roy qui court après Ligori, tout près. Et là, Pinchot contre Rousseau. Alors, on a plusieurs batailles à gauche et à droite, là, quand même intéressant.
sur GoPro qui a quelques blessures de guerre, mais semble encore fonctionner. Oh, James qui a pris du retard sur Howard, là. Petite erreur technique certaine de la part de James. Oh, une voiture qui est dans le sabre derrière. Et plus de peur que de mal, ça semble avoir bien sauvé la situation. Kevin Roy avec la voiture 890 à la 14e place. Va tenter de conserver son top 15. Se fait poursuivre pas très loin par Lorty. Alors, et Pichette également. Oh non, OK, on est là à peur. Alors, on va devoir laisser passer Lorty et Pichette. Et on est à la poursuite de Boulet. Alors, il va falloir... Ligori, pardon. Il va falloir manager le Blue Flag et la course. Alors, oh my God! Vraiment malentendu encore une fois. C'est tellement fatal, les Blue Flags dans les courbes. Il faut... Le meilleur endroit, c'est vraiment les lignes droites, malheureusement. Encore, on se fait prendre. Regardez, on lève le pied pour laisser l'intérieur. Et Lorty, qui il était trop tard, était déjà engagé, va entrer en collision avec le Kevin Roy. Alors, on espère que sa course n'est pas terminée, bien sûr. Et même chose pour Lorty, en espérant qu'on puisse continuer. Mais, comme on dit souvent dans nos courses au Slice and Racing, les Blue Flags doivent être exécutés sur les lignes droites en sortie de courbe pour justement qu'il n'y ait pas de malentendu et de confusion au bout des lignes droites et dans les courbes. Alors, James qui a réussi à remonter sur Howard. Semble avoir réparé la voiture un tout petit peu. Ouais, il y a peut-être eu des réparations minimum à faire au puits. Alors, on a pris un petit peu plus de temps tantôt. Où on s'est permis d'en réparer un petit peu pour essayer d'en gagner. Et on va probablement faire la même chose au prochain jaune. Si je ne me trompe pas, le stage était au 30e tour. J'ai pas pris le temps de regarder c'était quoi les positions, mais c'est pas mal ça. Dupont qui est reparti sur une lancée de domination totale. Le Tanaka qui n'a pas su remonter contre Dupont et perd du terrain tranquillement. On est rendu à 6,2 secondes. Morin à 3,3. Alors Morin, on a un problème. La lancette est rendue... Paquette, pardon, est rendu 9e. Alors, ouf! C'est un choix douloureux que Paquette a fait durant les puits. 9e place. On a perdu énormément de positions. C'est très difficile pour Paquette. Et Pichette, 5e. Alors, et on est dans les pits. On est dans les puits pour un 2e puits. Ah, OK, mais Paquette, pardon. Paquette a fait la même chose. On a pité une 2e fois. Peut-être qu'il y a une stratégie au bout de ça. On va le voir par rapport à Pichette où est-ce qu'on va sortir. Hey, mon Dieu, James qui était proche de Howard plus tôt, mais là, c'est Dupont qu'on voit à l'écran. Le meneur qui rattrape des retardataires. Voiture intacte, alors c'est bon signe. Dupont qui n'a pas été en contact avec personne jusqu'à présent. Alors, si on est capable de garder cette voiture en bon état comme ça, ça veut dire que tout se passe bien pour le meneur. Blue Flag et compagnie, tout est bien exécuté pour lui. James, toujours aussi près de Howard, lui qui avait accusé un petit retard tantôt. On remédie à la situation. Et là, c'est extrêmement près. Et belle bataille qui s'ensuit. Oh mon Dieu, James qui a frappé fort sur des vibreurs et la voiture qui a levé. Mais on a perdu un petit peu de pace, mais quand même, on a gardé contrôle. Alors, beau travail ici. Oh, un petit peu fort à l'épingle. Alors, pour votre information, Bruno Pichette est sorti
au 10e rang, au 9e rang derrière Maxime Paquette. Alors, ça vous donne une idée quand même, après deux pits et Dorty également. Alors, on a eu trois. Oh non, non, on a plusieurs pilotes qui ont fait deux pits déjà. Et voilà, on peut voir justement Dorty, Pichette. Alors, Dorty qui est abîmé, mais semble quand même encore très rapide, heureusement pour lui. Et cette fois, je vous confirme que Paquette a mis des pneus. On a un pit de 15 secondes et non pas 7 secondes. Mais on a beaucoup de travail à faire pour Paquette. Pichette avait une pénalité de 15 secondes, il est maintenant derrière. Ouais, possible. Ben en fait, on n'aura pas le choix de faire un deuxième arrêt au puits, c'est certain. Alors, c'est certain que Dupont veut se créer un gap pour répondre à Sébastien Hitu. Mais de toute façon, si on regarde la moyenne des tours, si on va voir M. Dupont, et on regarde la moyenne des tours, meilleur tour à 1.13.1, le dernier tour à 1.14.7, et on regarde en deuxième place Morin, 1.13.7. Et dernier tour à 1.15 flat. Alors, on est en moyenne 500 devant notre opposant numéro 1, qui est Morin, qui vient de s'arrêter. 500 au tour plus rapide. Alors, c'est vraiment très difficile de rivaliser contre Dupont en ce moment. Là, c'est vraiment comme une domination totale. Absente un 2 minutes, je vous reviens. Je vous laisse en caméra automatique. Ça sera pas très long. Bon, alors beaucoup d'action au menu. Paquette qui est revenu parmi la compétition féroce entre James, lui, et Howard. Et là, toute une bataille qui se dessine side by side. Et là, Paquette va être en avantage sur James.
Je ne crois pas que James va pouvoir rivaliser ici par l'extérieur. Oh mon Dieu, que c'est dangereux. On va... Il faut pas toucher. Oh! La voiture 551 de Jeff Côté vient de prendre une position sur James également. Oui! Alors, deux positions perdues pour James dans cette manœuvre. C'est vraiment... malheureux. Et voilà, on nous explique la voiture, en effet, de Chandler qui était carrément imprévisible étant donné la piètre qualité de connexion. Alors, nous l'avons malheureusement sorti de la course, disqualifié. Alors, c'est très important d'arriver avec une connexion câblée et non pas Wi-Fi et s'assurer d'avoir une bonne qualité de connexion pour ne pas importuner les autres pilotes. Et James qui s'arrête, voilà. Acheté la serviette pour ce tour et on s'est dit on va revenir en force. Ok, alors là, de ce que je comprends, c'est Howard qui mène. Pocket, écoute, on a deux arrêts au plus partout, sauf Howard et Jeff Côté. Qui d'autre? Jeff Côté, Pocket, Brad Howard. Dupont, James, James qui est là présentement, ça fait son deuxième. Alors dans le devant là, dans le top 10, on a seulement la lancette du William Dupont, Jeff Côté et Brian Howard qui ont un seul pit. Alors ces pilotes là, quand ils vont piter, grosse chance qu'on sorte du top 10. En fait, ça va être curieux de voir ce que Howard va réussir à faire. Rester au devant de Maxime Paquette, comme on peut voir. Et voilà, coach Jeff Côté qui entre au puits. Howard qui pousse encore au maximum. Cette bataille à 3, mais Tanaka est devant Dupont avec deux pits chaque. C'est ce que je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Dupont? Oh! Dupont a un pit stop de 20 secondes. On a eu un petit problème technique. On a perdu 5 secondes et ça nous a fait perdre notre position. Oh! Ça sent la bataille pour les 20 prochains derniers tours. Et mon Dieu, Howard qui se défend encore une fois contre Pocket. Et Pocket qui réussit à se hisser aux côtés d'Howard. Mais c'est même Tanaka qui va maintenant profiter par l'intérieur sur Pocket. Et on va tomber juste derrière Howard. Et là, on a un retardataire devant. Et on souhaite que ça se passe bien pour eux. Et mon Dieu. On reste large. Voilà, on a pris la bonne décision ici. Voiture 913 qui va juste se ranger sur le côté pour laisser passer le train. Parce que vraiment, ça aurait été trop dangereux de tenter de laisser passer. Bonne décision. Et là, regardez à quel point c'est serré. Même Morin qui s'en vient. Oh! Et là, Tanaka a réussi à passer sur Pocket. Faut que Dupont trouve une façon de passer pour reprendre le contrôle de l'épreuve. Sinon, ça peut donner de l'usure prématurée. Alors, Tanaka par l'extérieur. Incapable de passer sur Howard. Howard qui ne donne rien. Tente de se battre à fond. Oh, Pocket qui va l'échapper. Non! On frappe le mur deux fois. Oh!
Et tout le monde passe au travers sans même y toucher. Oh! On peut même appeler ça un save de Pocket. Là. Malgré les deux contacts avec le mur, là, Pocket a fait de l'excellent travail sur cette séquence. Alors, on va voir ça de plus près. Oh! On va juste reculer un petit peu. Maxime Pocket. On va voir l'épingle qui se fait. On pousse un peu fort. On tente de croiser, on dirait bien, dans la dernière courbe pour prendre l'intérieur sur Howard également. Et voilà, la voiture vient lousse. Et mon Dieu, que ça a passé proche. Et, Dupont et Morin, premier, deuxième, qui aurait pu faire de gros dommages ici. On s'en sort vraiment bien pour tout le monde, heureusement. Alors, Dupont qui a réussi à passer grâce à ça, en fait, et Morin, même chose. Et là, ouais, Tanaka serait premier présentement. En effet, on a réussi à passer. Et là, ça va être intéressant de voir Dupont qui va devoir ouvrir la machine. Il faudrait que Howard aille au puits bientôt. Sinon, je crois que 42e tour, il reste plus que 8 tours. Là. Il va falloir que vraiment Dupont ouvre la machine. Il faut faire quelque chose, sinon Tanaka va se sauver avec la victoire vraiment comme ça à la fin. Et regardez à quel point qu'on distance les autres. C'est certain que Dupont doit commencer à avoir énormément de pression pour passer sur Howard. On doit souhaiter que le train se dégage. Et Howard est en bataille légitime en plus. Et on tente. Oh non, Morin même! Morin qui prend l'intérieur sur Dupont! Oh mon Dieu! Et le Pocket! Alors le pit de Dupont. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. Il a été un désastre là, de 5 secondes de trop, puis ça l'a mis dans de beaux draps. Alors Tanaka qui a extrêmement bien travaillé pour passer sur Howard. Et regardez l'avance qu'il est en train de prendre. Pichette qui s'en vient tranquillement derrière. Oh, Pichette qui rattrape le peloton. Alors, lui qui était hors séquence un peu à cause de son pit de 30 secondes, réussit finalement à remonter tranquillement pour les 7 derniers tours. Et ah, Dupont qui est repassé sur Morin. Non, Morin qui est passé sur Howard, pardon. J'en ai manqué un bout, moi. Et le voilà Dupont qui va prendre l'intérieur sur Howard et Howard qui va laisser passer. Et c'est side by side, Dupont qui tente. On va garder, oui on garde la ligne, c'est bon, on va être capable de prendre l'intérieur ici et gagner la position. Et c'est là que la machine va commencer à ouvrir pour Dupont. Alors là, c'est bonne chance. Regardez le retard qu'on a. 4 secondes sur Tanaka. En 6 tours, c'est pratiquement 1 seconde par tour. Ça devient du pratiquement impossible à réaliser. À moins d'une erreur grave de Tanaka. Là. Forte chance que Tanaka se sauve avec la victoire ce soir. Il y a un autre retardataire ici. Et Pocket qui est à son tour, va tenter l'intérieur. Et oui, oh, on est à l'intérieur, petite touchette avec Howard là. Oh, ça a frappé. Malheureusement, Howard qui a fermé sur, sur Pocket. En fait, on a pris notre ligne et Pocket s'était compromis en mettant le nez
en se mettant le nez là, malheureusement. Alors, je pense que Howard essayait de se rendre jusqu'à la fin, mais je suis même pas certain si on avait assez de gaz pour se rendre jusqu'à la fin. Bon, alors, supposons maintenant 2 secondes de Morin. Alors, c'est toujours 5 secondes. Pichette qui s'amène. Ouf, on a de la boucane ici. Est-ce qu'on a une voiture qui aurait... effectivement, Morin aurait des chances d'avoir la première, mais il va falloir passer sur Tanaka. Et ça, ça ne sera pas donné. 45e tour qui s'achève. Dupont à 2.3. Ouf, on est en difficulté, on dirait là. Les autres pilotes sont rendus plus vite que Dupont. Est-ce qu'on a surchauffé nos pneus? Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, on laisse passer pour James, c'est parfait. Pichette qui a trouvé du rythme. Oh, petite glissade ici. Moi, je pense qu'on pousse. On pousse le plus possible. On rattrape Morin, on est à 1.6, mais. Quarante-sixième tour, ça semble être trop peu trop tard. 2.9 secondes pour Morin sur Tanaka. 1.7 pour Dupont sur Morin. Alors ça se referme tranquillement, mais... ça va être difficile les derniers tours. On a gagné 0.2 ici sur ce dernier tour ici. De 500 plus vite en fait. On a gagné 500. Bon, on est toujours de 500 plus rapide pour Dupont, mais on a tellement plus de retard avec la bataille avec Howard et les autres que... Oh, Rousseau qui était resté à l'extérieur pour le laisser passer. Pichette qui est maintenant très près de Dupont et... Oh! Dupont qui est venu là! C'est... Bon, qui pousse au maximum, mais là. Pichette qui a pas dit son dernier mot. Je pense que le stage va un petit peu sauver la course à Dupont. Mais oh mon dieu, c'est lousse, c'est voilà. Pichette qui va croiser, il va prendre une position sur Dupont. Late breaking pour Dupont, un petit lock-up et c'en est terminé. On va perdre une position encore. 48e tour. Alors rien ne va plus pour Dupont. Si dominant tantôt. Et juste à cause d'un mauvais pit, on se retrouve dans de beaux draps. Et on tombe maintenant au 4e rang de la course. Tanaka toujours premier. 48e tour. On peut voir Morin qui tente de venir le chercher. Je peux vous montrer un petit peu le top 15. Alors c'est 2.6 pour Morin, 2.4 pour Pichette, 0.4 pour Dupont. Et ensuite c'est Lortie à 13. Lortie à 13 secondes. Côté James David. William Dupont, Brian Howard, La Lancette, La Douceur, Boulet, Roy, Pilote et Rousseau. Finalement, qui ferme le top 15, qui est à plus un tour. Alors, ça fait du monde à S. Bon, on va aller voir. Est-ce
on est au dernier tour. Oui, c'est le dernier tour. Et Dupont qui est incapable d'aller mettre la pression sur Pichette présentement. Tanaka qui, bien sûr, est en train de compléter le dernier tour. On va suivre notre leader. Tanaka qui fait d'excellent travail jusqu'à présent. Ensuite, on arrive à l'épingle et qu'une seule courbe qui restera à faire pour signer sa victoire. Victor Tanaka va remporter l'épreuve de Sonoma Cup, 50 tours. Ah non, en fait, je suis désolé, c'est vrai, on est au 49. Il faut compléter le 50e. Alors, présentement, nous sommes sur le dernier tour. Désolé d'erreur, j'étais dans la lune. Et là, juste rapidement, regardez Dupont qui a encore perdu du terrain sur Pichette. Alors, c'est de mal en pire pour Dupont. Je pense qu'on est affecté mentalement et rien ne va plus. Tanaka qui cette fois arrive dans les S pour la dernière fois pour de vrai. On est au 50e tour et plus que l'épingle et la dernière courbe à prendre pour une victoire de sa part. Et Morin qui se rapprochait dangereusement, mais je pense que Tanaka fait juste une conduite safe étant donné qu'il y a un bon gap. Et même chose pour Morin, il n'y a plus rien à gagner à part de ramener la voiture à l'arrivée. Alors victoire de Victor Tanaka sur le circuit de Sonoma Cup, suivi par Morin en deuxième. Troisième place, on a Bruno Pichette qui fait son podium devant Guillaume Dupont. Michael Lortie qui entre à l'épingle et en sort présentement, qui va terminer ça à la cinquième place ce soir. Alors lui, malgré un gros contact ici, a réussi à sauver sa course. Jeff Côté qui s'amène avec la Toyota Camry, la voiture 551, qui va passer la ligne d'arrivée à la sixième position. Voilà, c'est fait pour Côté. James David à la septième également, qui sort de l'épingle et ramène la voiture à la ligne d'arrivée. À la 7e place. Course plus difficile pour Jane. On peut voir des blessures de guerre. William Dupont, 8e. En 9e, Brian Howard. Oh, Howard qui manque d'essence ou? Alors, Howard, 9e. La Lancette, 10e. La douceur qui, à son tour, oh, on est loin. La douceur qui a déjà terminé, à mon avis. Ouais, on est sur un temps, un pace lent. Alors, les voitures qui ont terminé, alors, on est 11e. Mais je vais tout vous donner le résultat final à l'instant même. Voilà, victoire, Victor Tanaka qui avait qualifié 5e place. Alors, un gain de 4 positions pour terminer premier. Morin termine deuxième. Pichette avec une remontée, encore une fois, assez spectaculaire quand même. Réussit à remonter sur la marge du podium après un pit de 30 secondes. Une catastrophe pour Pichette qui s'effacera bien. Dupont également, un pit un petit peu catastrophique de 20 secondes qui l'amène très bas. Ensuite, dans une bataille interminable contre Ward, ne réussit pas à passer. Alors, perd tout le pace face à Morin et Tanaka. Alors, ça lui coûte ses positions. Ensuite, on a Michael Lortie, Jeff Côté, James David, William Dupont, Brian Howard, Patrick Lalancette, Frédéric Ladouceur,
Daniel Boulet, Jean-François Pilote, Kevin Roy, Patrick Rousseau en 15e place, suivi de Thomas Bélanger, Maxime Paquette, Bruno-Pierre Pinchot, Michael Ligori, Harrison Chandler qui a été disqualifié bien sûr dû à sa connexion Internet, Claude Ferland, Jean-François Lavoie et Félix Graton également qui avait eu un gros accident avec Pinchot, je crois, je me rappelle plus tôt. Alors, c'est le résultat final de ce soir. Alors, c'était la dernière course de NASCAR sur circuit routier. Merci à tous ceux qui ont participé aux trois courses. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont liké la page SliceM et qui, bien sûr, nous suivent chaque semaine. Et on sera de retour en NASCAR Monster Series dès cet automne sur circuit routier les jeudis et sur Oval les vendredis. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.